Jour 9, 40 jours de prière, mercredi 11 mai 2022. Rejoignez votre famille. Mais si quelqu'un ne survient pas aux besoins de ses parents et surtout des membres de sa maison, il a renié la foi et est pire qu'un incroyant. 1 Timothée 5, verset 8. Vous devez être sérieux, ferme et décidé à faire votre devoir dans votre famille et à les emmener avec vous si possible. Vous ne devez épargner aucun effort pour les persuader de vous accompagner dans votre voyage vers le ciel. Extrait du livre La Maison Adventiste, page 352. Oui, tous nos efforts doivent être dirigés afin que nos membres de nos familles puissent vraiment découvrir cette puissance de Dieu. Nous devons les amener à Christ. Mais les amener à Christ, de quelle manière? Par notre témoignage, par notre façon de vivre, par notre disponibilité vis-à-vis d'eux. Soyons bons et généreux envers eux, même si, en finalité, ils n'acceptent pas l'évangile. Mais soyons à l'image de Jésus, aimant tous nos membres de notre famille et cherchant à les amener, à les accompagner vers cette destinée céleste. Oui, c'est une mission capitale pour chacun d'entre nous. Chaque membre de notre famille devrait être placé dans nos prières afin qu'il soit touché par ce message. Jésus revient très bientôt. Les temps sont difficiles et on sent que les choses vont s'accélérer rapidement. Faisons tout pour amener nos membres de notre famille aux pieds de Jésus. Il n'est pas trop tard, nous pouvons le faire. Défi du cœur. Nous avons tous des membres de la famille immédiate ou élargie qui ne sont pas encore tombés amoureux de Jésus et ont décidé de vivre fidèlement pour lui. Ou peut-être qu'ils ont suivi Jésus une fois et qu'ils se sont maintenant éloignés. Peut-être que certains sont athées ou ont d'autres raisons de leur décision. Ou peut-être n'ont-ils jamais eu la chance d'entendre, de comprendre et de voir pleinement l'évangile en parole et en action. Vous avez la responsabilité de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour tendre la main avec douceur, gentillesse et beaucoup de sagesse et d'amour à ces membres de la famille, leur montrant que vous vous souciez d'eux et au bon moment les orientant vers la vérité et l'amour de Jésus. Ferez-vous dans la prière cet important travail d'intercession et de ministère auprès des membres de votre famille, non-croyants, non-adventistes, récidivistes? Vous engagez-vous à être plus intentionnel dans votre communication avec eux? Prions. Prions pour nos familles. Y a-t-il des membres avec lesquels vous avez des difficultés? Prions pour eux, spécifiquement, et pour nous-mêmes, alors que nous cherchons des moyens de les servir en les dirigeant vers Jésus à travers nos paroles et nos actions. Prions pour les membres rétrogrades de nos églises et congrégations. Prions que Dieu donne à nos enfants ou à nos enfants spirituels la force de résister aux attaques et aux tromperies de Satan. Réclamons Ésaïe 49, verset 25, pendant que nous prions. Prions pour la sécurité et la préservation de la foi de nos enfants. Prions qu'ils s'enflamment pour s'impliquer dans la mission personnelle. Prions que l'Esprit de Dieu soit déversé puissamment sur les membres de la famille de chaque dirigeant et membre du personnel de la conférence générale. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.